coucou à toutes et tous. Donc, bienvenue sur ma chaîne, donc Chat Noir Guidance. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Donc, nous allons faire le tirage pour les énergies du samedi 17 juillet 2021. Donc, comme d'habitude, un tirage général intemporel. Donc, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Et on va utiliser le tarot des flammes jumelles. Donc, je vous montre. Donc voilà. Et puis après, on verra quel oracle on utilise aussi après. Et on va commencer, bah, comme d'habitude, je vais faire un tirage pour avoir la tendance pour la journée de demain. Donc pour samedi. Alors mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors bienvenue aux nouveaux. Merci aux abonnés qui sont là, qui me suivent, qui sont fidèles. Et comme d'habitude, toujours énormément de plaisir à vous transmettre les messages de nos guides, hein, de nos anges, hein, en espérant que ça vous aide à avancer. Donc voilà. Alors, tendance pour la journée de demain. Donc comme d'habitude, je vais faire un tirage donc de plusieurs cartes. On va aller d'abord voir à la coupe. Alors, on a les honneurs. Donc on va voir après si ça ressort. Et on a l'élévation. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. Là, on va parler de reconnaissance et de s'élever, hein, dans la vie. Et donc peut-être professionnellement ou sentimentalement aussi pour certains d'entre vous. Donc voilà. Alors. Alors, allons-y. Et on va aller tirer quelques cartes. Alors. Alors, allons-y. Alors, on part sur cinq choix. Donc, comme ça, vous choisissez. Alors, premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Quatrième choix. Ah, cinquième choix, elle était venue celle-là. Alors, comme d'habitude, donc vous pouvez faire un choix. Alors, généralement, allez vers la carte qui vous attire le plus. Éventuellement, pourquoi pas deux cartes si vous voulez aussi faire le choix de deux cartes. Après, vous faites comme vous le sentez, hein. Donc, suivez votre intuition. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Donc, en tout cas, en dos de deck, on a la pensée, amitié. Donc, là, il y a des amis qui pensent à vous, hein, qui vont être présents, en fait, pour vous, hein. Il va y avoir du réconfort pour certains demain. Donc, voilà. Peut-être que vous vivez une période un petit peu stérile où il ne se passe pas grand-chose, où vous êtes dans l'attente. Mais bon, vous allez avoir des amis qui vont vous réconforter. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez fait votre choix. Je vais passer à la lecture. Donc vous faites pause, hein, si vous avez besoin d'un petit peu de temps. Et donc voilà. Donc on va commencer par le premier choix. On a la renommée. Donc là, ça va nous parler... vous allez vous sentir confiant. Vous allez avancer positivement demain, tout au long de la journée, là. Donc voilà, pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, on a la beauté. Ça va être une journée marquée par l'esthétique. Alors peut-être que certains ont des rendez-vous chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne. En tout cas, ça va être un environnement agréable et harmonieux. Peut-être aussi vous avez décidé d'aller au cinéma ou au musée. En tout cas, ce style de sortie hein, qui concerne l'art seront favorisés pour certains d'entre vous. Ah, on a la carte 32. Enfin, celle-là, je l'aime un petit peu moins. Là, c'est la méchanceté. Donc là, les guides vous disent prudence. Dans les échanges, on cherchera en fait à vous faire du mal et à vous enfoncer, hein.
Ne cédez pas au chantage, surtout. Donc voilà. Donc le mieux, c'est ignorer des fois la méchanceté hein, des autres. Hein. Quand il y a de la méchanceté, j'ai envie de dire, est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser en fait? Parce que c'est s'intéresser à ce style de personne et puis et elles n'en valent pas en fait la peine. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez. Donc voilà. Et en choix numéro 4, nous avons l'union. Donc là, on va parler d'entente pour certains d'entre vous, hein, harmonieuse hein, dans votre entourage. Un amour partagé là pour demain, pour certains d'entre vous. Et dernier choix, la découverte. Donc là, je vois des personnes qui vont peut-être y voir plus clair. Hein. Trouver des solutions à hein, des problèmes. Et j'ai envie de dire, bah, il était temps pour vous, en fait, de trouver ces solutions. Donc, vous allez y voir plus clair hein, dans des problèmes que vous avez. Donc, voilà. Donc, j'espère que les messages vont vous parler. Je vais les ranger. Hein, et puis, on va passer au tarot des flammes jumelles. Et puis, on verra peut-être que je vais le réutiliser tout à l'heure, l'oracle Béline. Donc, allons-y. Alors, pour les messages avec le tarot des flammes jumelles. Alors, comme d'habitude, tirage à 9 cartes. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Quelle va être la petite histoire pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Donc, un petit tableau de 9 cartes et nous allons aller voir aussi avant à la coupe. Les premiers messages. Hop là, voilà. On va pouvoir passer à la coupe. Alors, allons-y. Bon, bah, c'est que ça devait venir comme ça. On a le 4 de flamme. Là, on parle de fuite. Hein. Ouais. Là, on parle de fuite. Hein. Alors, quelqu'un qui fuit peut-être. Hein. On a la reine des terres. Hein. Qui a la foi. Alors moi, je vois quelqu'un qui peut-être, alors à la reine, hein, ça peut être une femme ou un homme, hein, en tout cas, je vois une personne qui garde la foi par rapport à peut-être quelqu'un qui est parti. Ouais, parti en voyage. Hein. Ouais. On a la loi d'attraction, hein, de toute façon. Hein. Donc, ouais, quelqu'un qui est parti pour un nouveau début, là, pour faire un nouveau début, un voyage. Hein. Et il y a quelqu'un qui a la foi. Le libre arbitre, hein. Oui. Hein. En fait, amour inconditionnel. Oh, on va aller voir, c'est plutôt. Ouais, c'est. Ouais. Quelqu'un qui garde la foi malgré une séparation là. Ok, ben on va aller voir tout ça. On va aller voir les autres messages. Alors, mes guides, mes anges. Alors je les prends, elles sont tombées. On a la justice divine, d'accord. Alors j'ai l'impression que là, il y a peut-être au-delà, là, dans l'au-delà, hein, l'univers en fait, hein, qui va peut-être mettre sa petite graine là pour certains d'entre vous. Alors on a la gratitude. Hein.
Là, on dit que vous allez remercier l'univers, en fait, hein. Vous avez peut-être fait des vœux. Alors, ceux qui ont fait des vœux, ouais, à la nouvelle lune, je pense qu'il est important de vous le dire. Si vous avez fait des vœux à la nouvelle lune, hein, plusieurs vœux, s'ils sont réalisés, vos vœux, n'oubliez surtout pas de remercier l'univers, hein. Il faut être toujours dans la gratitude, hein. De même, ceux qui vous apportent du bien, de l'amour, de l'amitié, il faut les remercier aussi, hein. C'est très important, hein, de dire merci en fait à tout ce qui nous arrive de bon, hein. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent? Oh là, il y en a de trop, mais je vais quand même aller chercher les messages. Ouais, il y a quelqu'un en fait qui est en manque, en fait, qui est en manque, qui fait des rêves, mais il est en manque d'amour. Des personnes, hein, qui sont en manque d'amour là. Et pourtant, ils rêvent, hein, de trouver. Hein. Ouais. Des personnes, en fait, qui ont peut-être comment dire, hein, les chakras sont peut-être mal équilibrés, en fait, parce que. Il y a des personnes qui, ouais, sans doute le chakra du cœur, là, j'ai envie de dire, hein, qui est déséquilibré, hein, qui n'est pas du tout. Parce qu'en fait, il y a eu des déceptions en amour, hein, il y a eu des cœurs brisés, on s'est senti seul, hein. Et il y a le détachement. Alors ça, c'est intéressant. Détachement. En fait, malgré ça, vous allez avoir la victoire par rapport à ça parce que vous allez travailler et vous allez réussir en fait à retrouver un bien-être, hein, un équilibre en vous. Alors, on a toujours cette carte de la fuite par rapport à quelqu'un en fait qui est parti en fait, hein. Et là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne pour certains d'entre vous. Alors, je ne sais pas si c'est la même histoire, hein, mais en tout cas, ouais. Alors, il y a quelqu'un qui est parti. Vous avez fait un gros travail intérieur, en fait, pour, en fait, guérir de cette blessure, hein, de cet abandon. Mais on dit que cette personne va vous donner des nouvelles. Alors là. OK. Donc, on va aller voir. Alors, peut-être que c'était des messages annexes, hein, ou des messages peut-être que quelqu'un avait besoin d'entendre. Moi, j'ai l'impression que c'était des messages un petit peu annexes quand même, hein. D'accord. J'ai encore là cette carte, mais ça me fait penser au détachement toujours, hein. Il y en a qui ont réussi à se détacher et puis de cet amour, hein, qui les a brisés et ils en sont guéris, hein. Alors après, c'est la question, si vous avez des nouvelles, est-ce que vous allez être content déjà d'avoir des nouvelles de cette personne? Parce qu'après, tout dépend comment elle a fui et dans quelles conditions. À savoir si ça va pas, parce que des fois on croit avoir guéri de blessures et puis en fait ça va peut-être ben rouvrir un petit peu la plaie là pour certains, peut-être. Donc on va voir, les messages. Voilà, c'est bon. Donc voilà, on a nos 9 cartes. Ah oui, surveillance, 9 de matière. Ça peut être la sécurité aussi, hein. Mais en tout cas, il y a une surveillance à avoir là, hein. Alors, je vais aller voir les autres messages. On a le féminin sacré.
On a les doutes. On a les changements, ça c'est bien. On a toujours cette reine des terres à la fois. Il y a quelqu'un là, une personne qui à la fois, hein, qui prie, hein, on voit elle prie. Hein. Et on a les vases communicants là. Donc, on parle de... Là, il y a quand même, ça finit par l'harmonie, la sérénité. Donc, quand même. Hein. Alors, en tout cas, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui prie beaucoup, qui a fait des vœux. On lui demande, en fait, l'univers hein, va répondre à ses rêves, hein, à ses vœux. Il va y avoir de la gratitude. Alors, peut-être que vos vœux, c'est pas forcément un retour, mais peut-être que moi, je ressens, en fait, on a la carte des doutes, là. Donc, on a la carte des doutes. Et moi, j'ai envie de dire, oui, en fait, ce que vous avez demandé à l'univers, c'est peut-être des explications. Vous avez peut-être besoin de comprendre pourquoi cette personne a fui, vous a fui, est partie. Parce que cette personne vous a donné aucune explication. Elle est partie comme ça. Hein. Bien sûr, on vous demande de surveiller, en fait, parce que elle va revenir, mais attention, est-ce que son retour, ses nouvelles vont être dans de bonnes intentions ou de mauvaises? Là, moi, j'ai envie de dire, là, l'univers vous dit, mettez des limites, ça veut dire, attention, il faut, ok, il revient, mais mettez des limites, hein. Trop facile de fuir et puis de revenir et puis se dire qu'on peut reprendre sa place comme d'habitude. Là, non. Mettez des limites. Bien sûr, continuez à prier, gardez la foi. Il y a des changements qui vont arriver. Surveillance aussi par rapport aux changements, justement, qui pourraient vouloir... Ouais. Et il y a l'harmonie quand même qui revient. Moi, je sais pas. Alors, j'ai envie de retirer... Une carte sur les limites, hein, les doutes. Allons-y, mes guides. Limites. Une carte pour les limites, les doutes, mes guides. Merci de me donner des précisions pour les limites. Hein. J'en ai beaucoup là, mais je vais quand même regarder. Ouais, on parle d'éveil spirituel, hein. Sur une nuit noire de l'âme. Oh oui, vous avez été... Vous étiez... Alors en plus, malgré que c'est une carte très négative, j'ai envie de dire, elle est magnifique. Hein. C'est quand même une belle image. Vous avez été dans la nuit noire de l'âme. Cette personne vous a mis, mais très mal. Mais c'est ce qui vous a permis aussi d'avoir un éveil spirituel. Hein. Vous avez été à la recherche de intérieurement de et vous avez trouvé intérieurement énormément de choses. D'ailleurs, maintenant, ouais, je vois une personne très très joyeuse. Hein. Alors là, il y a un message. Chose cachée. Oui, on vous a caché des choses hein, et on parle de réunion. Ouais, il y a bien un homme qui revient là. Alors, si vous êtes des femmes, sinon vous interchangez, hein, comme d'habitude, vous le savez. Ouais. Alors, il y a un bienfaiteur qui revient ou une bienfaiteuse. Quelqu'un de romantique qui... Alors, c'est peut-être pas le retour, mais c'est quelqu'un qui vous a aidé, hein, qui vous aide encore. Hein. Ouais. On a encore cette carte des limites. Hein. Je pense qu'on va vous dire attention à ne pas faire à nouveau un sacrifice. Mettez des limites là, encore. Donc voilà. Donc, je vais quand même voir si j'ai une carte qui tombe pour limite. Hein. Alors mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner un message clair? Pour les limites, une carte, s'il vous plaît, mes guides.
Peut-être que les guides nous ont donné tous les messages qu'ils avaient à donner là, les limites. Moi, j'aimerais bien avoir une petite précision, les guides. Hein. D'accord. Alors là, oui. Alors là, j'ai envie de dire, ne culpabilisez, déjà, ne culpabilisez pas de ce qu'il a fait. Parce que ce n'est pas votre faute, parce qu'il y a la culpabilité. Peut-être qu'il va venir et puis il va essayer de vous culpabiliser, hein, vous mettre un petit peu sur tension. Hein. Donc attention à ça. Et là, on a encore ce manque affectif. Hein. Alors attention, mettez des limites. Cet homme, en fait, ou cette femme recherche peut-être la perfection en amour. Hein. Malheureusement, la perfection, ça ne peut pas exister. Hein. Où il va, il ne trouvera jamais la perfection, et puis, ou ni elle, hein, de toute façon. Hein. Alors, les doutes, mes guides, pouvez-vous me donner des précisions sur les doutes? Merci, mes guides, de me donner un message clair. Hop là. On a Kundalini. Elle est tombée aussi tout à l'heure. Hein. Ouais, là, on parle. Oui, vous avez un rêve, mais vous avez des doutes sur sûrement cette personne qui revient. Hein. Et vous avez complètement raison, hein, d'avoir des doutes. Hein. Vous avez peur, en fait, que ça soit qu'une illusion, en fait, ce retour. Hein. Vous avez peur que ça soit qu'une illusion, ce retour. Oui, parce que c'est toujours lui qui... C'est lui qui avait choisi, hein, de partir à l'origine. Hein. C'est lui qui avait choisi. Hein, il a son libre arbitre. Hein. Ouais, vous avez peur qu'il peut recommencer, quoi. Est-ce qu'il ne va pas recommencer? Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages? Un dernier message, s'il vous plaît. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, ouais, on vous dit de rester, d'étudier quand même, hein, d'être dans l'introspection là. Faites attention de ne pas être déçu à nouveau de cette personne là, les guides vous disent. Hein. Même l'univers, hein. Oh, celle-là a voulu venir. Ouais, on a encore cette cinquième dimension. Ouais, on vous dit vraiment de mettre des limites, hein, de prendre ce retour, mais avec distance, hein. Rester à distance. Attention de ne pas s'emballer, parce que là, ouais, on vous dit de faire attention, hein. Surveillance, hein, ouais. Ouais, surveillance sur ce retour, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très très franc avec vous, là. Hein. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Hein. Alors, celle-là, je l'ai poussée un petit peu comme ça. Et je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais faire un tirage pour commencer à 9 cartes. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? On va aller voir d'abord à la coupe. Hein. Et on va aller voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. Hein. On parle de loi, là. Hein. Oui, la loi, bah, la justice divine encore. Hein. Je pense que c'est ça, hein. On parle d'argent. Attention aux personnes qui... À certains qui reviendraient parce que ben ils sont en difficulté financière aussi. Hein. Et puis comme ils savent que vous aviez un amour inconditionnel... Ah, c'est ça. Oui, il y a certains, hein, qui savaient que vous aviez un amour inconditionnel pour eux. Et en fait, ils ont peut-être des problèmes d'argent là où ils ont eu des problèmes avec la loi et... Et ils ont, ouais, ils sont en difficulté financière et ils peuvent revenir pour ça. Hein. C'est pour ça on vous dit surveillance et étudier en fait quelles sont les réelles raisons de cette personne qui revient alors qu'elle vous avait fui, hein, alors que vous l'aimiez énormément. Hein. Alors, allons-y à la coupe. On parle de jalousie. On parle de retour. Hein. On a le miroir magique. Donc,
Cette carte est magique, hein. Elle représente la protection divine encore, hein. Donc elle annule en fait toutes les mauvaises cartes. D'accord? Et on a les examens. Alors là, peut-être que certains d'entre vous ont des examens médicaux à faire, ou peut-être que vous avez passé des examens, des diplômes. Aussi, vous avez peut-être aussi été chercher à la recherche de connaissances. Hein. Ouais, peut-être que vous avez aussi, été travailler un petit peu votre jalousie en fait dans votre couple, ça pour certains d'entre vous. Maman, je peux t'en aider? Ah, attendez, excusez-moi. Hop là, excusez-moi, c'était ma fille. Donc, hop là, on va aller chercher les messages. Ouais, il va y avoir des discussions, hein. En tout cas, il va y avoir des discussions. Peut-être même des invitations autour d'un. Ouais, on a vraiment le retour, hein, qui vient. Il y a vraiment le retour de quelqu'un là. Alors, allons-y, je vais tirer 9 cartes. Ok, super. Alors, en dos de deck, on a un cadeau, un présent. Donc, peut-être que ce retour, en fait, vous allez le prendre comme un cadeau. Une surprise aussi, ça va peut-être être une surprise pour certains d'entre vous. Ouais. Après une trahison, hein. Y a du temps qui est passé, hein. Y a beaucoup de temps qui est passé. Mais en plus, là, on est vraiment dans une période où on est tranquille, hein. Il y a encore, oui, tranquille. Et puis, peut-être qu'on vient de finir des examens. Ouais, il y a encore cette histoire d'argent. L'étranger, hein. Ok. Alors ça, c'est des messages annexes, hein. Donc, après en commentaire, n'hésitez pas à me commenter, à me dire ce que vous pensez ou si ça vous parle. Ouais, on parle d'enfermement là, hein. Le retour, toujours ce retour, hein. La joie, peut-être un mariage. En tout cas, n'oubliez pas en fait que dans le tirage, on parlait quand même d'un ami, hein. On a l'homme, on parlait d'un ami qui était fidèle, bienveillant. Donc, ce n'est pas forcément avec la personne de retour. Ouais, on a la famille. On a la distance. Ça, on l'avait aussi. Le voyage, on l'avait aussi, le voyage. Ouais, correspondance et la loi. Alors, il y a bien un retour. Alors, pour certains d'entre vous, moi, j'ai le message, en fait, donc quelqu'un qui est parti, hein, qui a pris ses distances, alors, qui est peut-être parti dans une région différente, ou ça peut même être un pays, hein. Et là, on parle de déplacement. Peut-être que ce retour, en fait, cet homme va se déplacer pour venir, en fait, vous voir. Alors, peut-être que vous avez eu des enfants avec. Hein. Et là, on parle même de correspondance. Alors, pour certains d'entre vous, soit la personne va se déplacer pour venir à vous, soit elle va correspondre, alors, soit par téléphone, soit par mail, soit par tout autre réseau social, là. C'est le message. On a la loi, il y a un équilibre qui va se refaire quand même. Hein. Ouais. Donc en tout cas, le retour est confirmé.
Là, les guides, moi, je vois surtout, ils disent, soyez dans la surveillance par rapport au retour. Je pense qu'il va y avoir des retours joyeux pour certains d'entre vous, mais il va y avoir aussi des retours par intérêt financier pour d'autres. Donc, attention, surveillance pour tous là. Prenez le temps de, voilà, de correspondre, surtout. Prendre le temps de beaucoup communiquer, de parler, donc échanger, hein, surtout, pour pas ne vous retrouver à nouveau triste, hein, dans l'enfermement, hein, pour certains d'entre vous, hein. Pour pas vous retrouver dans la dépression parce qu'on vous aura mis encore des illusions, hein. Donc voilà. Donc voilà pour les messages que j'ai. Je trouve que c'est plutôt intéressant là, hein, les messages, hein, parce que là on vous met quand même en garde. D'habitude, mes tirages finissent plutôt très positivement, mais là je sens vraiment une mise en garde en fait, hein, de l'univers là pour certains d'entre vous. Alors attention quand même. Alors je vais finir. Alors, je ne l'ai jamais fait ça, mais là j'ai envie de faire comme ça parce que là les messages sont clairs, tout ça. Hein. Et donc j'ai envie de vous permettre en fait de faire un choix. Alors je vais tirer trois cartes des messages de votre flamme jumelle. Donc voilà. Je vais tirer trois cartes. Hein, et en fait, moi je vous propose de faire un choix. Donc vous voyez par rapport à votre intuition, hein, surtout. Hein. Ceux qui veulent en choisir deux peuvent en choisir deux, mais et ceux qui préfèrent en choisir qu'une, vous n'en choisissez qu'une. Mais on va faire comme ça. Je ne sais pas, j'ai envie de faire comme ça là, pour peut-être que les messages soient plus précis pour les uns et les autres. Alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, merci de me donner des messages clairs. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, là, on va aller voir à la coupe d'abord, hein, les premiers messages. Libéré et consolidé, l'univers vous unit. Nettoyage énergétique. Oui, il y en a là qui ont fait un nettoyage énergétique, hein. Ouais, qui ont repris confiance en soi là, hein. Je vois, mais on a vu dans le tirage, hein. Certains ont fait un grand travail, hein. La foi, oui, tu es la lumière dans la nuit, la foi, elle ressort, hein. Ouais, vous avez retrouvé la foi sur la vie, le fait de retrouver l'amour, tout ça, pardon, c'est pour ça, moi j'ai envie de dire à certains, c'est le même cheminement qui pourrait vous emprisonner. Parce qu'en fait, il y a des retours, ils ne seront pas bons. Ils ne seront pas bons. Et en fait, attention de ne pas retourner dans le même cycle, en fait. Hein. Donc, surtout que vous avez fait un énorme travail de libération, de confiance en vous. Et puis, vous avez retrouvé la foi de retrouver, en fait, l'amour. Hein. Ah oui, il y en a qui ont un allié. Hein. Vous avez un ami vraiment, vraiment fidèle, hein, qui est bienveillant pour vous. Hein. Et là, on a au plus haut vers nous deux. Ascension spirituelle. Hein. Ouais, il y a une belle guérison là, on le voit là. Avec le serpent, là, ça fait penser au sigle. Hein. Ouais, le sigle. Hein. Donc médical. Hein. Il y en a qui ont fait une belle guérison, hein, spirituelle, intérieure, tout ça, hein, qui se sont élevés, hein, vraiment. Donc, très belle carte. Hein. Élevé contre peut-être quelque chose de méchant aussi, hein, qui a été hypocrite. Hein. Donc, voilà. Donc, pour les premiers messages, hein, je suis désolée, la vidéo, elle est déjà à 34 minutes. Donc, je vais tirer trois cartes. Et je vais vous laisser faire votre choix. Donc allons-y, mes guides, mes anges. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix.
Alors, allons-y. Premier. Les énergies christiques. Repose-toi sur moi. Deuxième choix. Ah, ascension spirituelle au plus haut vers nous deux. Et troisième choix. Tu es la lumière dans la nuit, la foi. Donc, je vais prendre le petit livre et je vais vous lire chacune des cartes. Alors, les énergies christiques. Quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible, Jésus-Christ. Le Christ dévoile l'essentiel du chemin. Sa présence sur terre ouvre les dimensions supérieures et rallie le ciel et la terre. Sa présence en votre cœur vous couronne. Elle façonne les événements dans l'ordre divin. Rallie l'âme, le corps et l'esprit. Ses énergies se présentent, elles vous offrent l'essentiel de votre chemin et vous guident en votre centre intérieur. Là où se trouve la clé des mystères de l'univers. L'état christique représente aujourd'hui le plus haut degré de spiritualité que chacun puisse atteindre. Cette carte vous conduit vers la fusion. Les énergies christiques vous enseignent et déversent l'amour inconditionnel. On l'avait, hein, l'amour inconditionnel. Elles vous nourrissent et alimentent chaque élan de votre vie. Vos pensées s'allègent et s'orientent inconditionnellement vers l'amour. Le non-jugement des événements, le sien et celui des autres. Ce vœu présent est constant. Il permet l'acceptation, la tolérance et colore vos paroles et vos actes d'altruisme et d'abnégation. Jésus, grand maître de sagesse, fait partie des avatars qui ont ascensionné sur terre. Ses enseignements se suivent, ses paroles s'entendent, ses gestes s'accueillent, son amour et sa tendresse sont intimement liés à vous et à votre âme. Sa présence est honorifique. Elle révèle votre humilité, respecte votre intégrité et dévoile votre divinité. Un nouvel ange naît à la lecture de cette carte. Très beau message. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a, en fait, qui sont rentrés dans la foi, qui se sont tournés vers Jésus-Christ, qui ont prié énormément. Et là, ils vont vraiment recevoir énormément de lumière pour y voir plus clair dans une situation là. Ça va les aider, en fait, tout ce travail. Très beau. Très beau message. Donc, ascension spirituelle. Hop là. Message de votre flamme jumelle. Je suis confiant pour notre avenir. Montre-moi le chemin. Je ressens ta présence dans mon cœur. Profite de ce moment pour écrire. Laisse-moi libre de penser. La finalité se rapproche enfin. Alors, pierre conseillée, là, on conseille une pierre. C'est la cacocénite. Pour ceux qui... L'éveil spirituel est le point de départ de votre apprentissage. Il ouvre les portes d'un chemin sans dogme ni contrainte. Il marque en cet instant une évidence et offre une nouvelle vision sur ce que vous vivez quotidiennement. Vos aptitudes et votre rythme déterminent votre évolution. Tout comme vous, ces fondements sont immémoriaux et intemporels. Vos connaissances évoluent. Elles vous permettent d'accéder à un niveau de conseil supérieur. Bravo. Vous ascensionnez, cette carte vous invite à vous réjouir de votre parcours. Une ascension spirituelle provient d'actions réalisées en conscience. Elles permettent à l'âme d'évoluer sur l'échelle de la connaissance universelle. Elles créent une montée énergétique et vibratoire, offrant ainsi d'accès à une nouvelle forme de compréhension. Vous venez de franchir un cap important, votre regard sur les événements s'ajuste et vos polarités s'équilibrent. Votre âme vous félicite, vous faites preuve de sagesse et de compassion. Son sourire illumine l'avenir, elle reconnaît vos efforts et rayonne de bonheur. La quiétude et la béatitude s'installent, profitez-en.
La grâce et la volupté vous enveloppent, tel un baume sur le cœur. Soyez assurés de parvenir au plus haut sommet de l'évolution. Très beau message aussi, hein. Très beau, hein. Et nous allons finir par la foi. Message de votre flamme jumelle. Je sais ce que tu ignores. Laisse-moi encore un peu de temps. Écoute ton cœur. Je te parle à travers lui. Le voile de l'oubli se lève. Le silence est d'or. Cette incarnation est la nôtre. Rappelle-toi de notre promesse et laisse-la te mener jusqu'à moi. La foi est la capacité d'avoir totalement confiance en quelqu'un d'autre. Elle provient d'un savant mélange d'assurance, de discernement et d'espérance. Elle s'acquiert avec le temps, elle est soumise aux expériences de la vie et s'ancre par l'adhésion profonde de l'esprit et du cœur. Cette carte est une invitation à vous en remettre à vos guides. La foi ne fait pas toujours référence à un dieu, mais plutôt à quelqu'un de plus grand et de plus sage, qui a une vision différente de la vôtre. La perception des événements que vous vivez vous fait vous interroger. Elle réveille en vous des peurs et des doutes. Votre guidance intérieure vous mène là où vous devez aller. Écoutez-la, fermez les yeux et tendez les mains. Quelqu'un connaît ce que vous ignorez, voit ce qui vous est invisible. Il vous murmure ce que vous cherchez, vous vivez une initiation. Votre âme vous guide à travers le temps et l'espace. Elle a planifié le meilleur pour vous. Écoutez-la et suivez-la. Son murmure s'entend dans le vent. Sa connaissance se reflète dans vos réflexions. Son accomplissement brille dans votre cœur. Abandonnez-vous dans son sillage. Elle œuvre à chaque instant pour la fusion. Donc voilà pour les messages de votre flamme jumelle. Moi, j'ai envie de dire, en fait... Certains, en fait, se sont retournés vers Jésus-Christ, hein, vers la foi. Hein. Ça peut être n'importe quelle religion, là. Mais en tout cas, c'est ça qui les a fait s'élever, en fait. Hein. Moi, j'ai envie de dire, en fait, écoutez votre intuition pour certaines situations où votre autre va revenir, mais par intérêt. Alors, peut-être financier ou autre. Hein. D'autres vont revenir, mais ils savent pourquoi ils sont partis. Mais attention qu'ils ne vous cachent pas la vraie vérité du pourquoi ils sont partis. Moi, je ressens en fait que certains sont peut-être partis pour une autre personne à l'origine. Donc voilà. Donc on sait que quand une personne fait ça, elle peut recommencer aussi. Donc voilà. Chacun reste libre d'accepter le retour ou ne pas l'accepter. Ça dépend de chacun de vous. C'est à vous de prendre cette décision. Donc voilà. Et certains, il va y avoir des retours, il va y avoir des révélations et il va y avoir de la joie et même des unions. Donc voilà. Voilà pour les messages. J'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Donc voilà. Merci à nos guides, à nos anges. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Et puis, merci à vous tous. Merci de vos commentaires, de vos j'aime, de vos... le fait que vous vous abonnez également. Et puis, surtout, prenez soin de vous.